Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Actus du Web. Nous vous apportons les dernières nouvelles de France et du monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un important incendie qui a eu lieu dans un camping gardois. Le jeudi 3 août, vers 5h du matin, un incendie a touché le camping Les Fleurs de Camargue à Saint-Laurent-d'Aigouze. Les pompiers du Gard sont intervenus au petit matin. L'incendie a ravagé 15 mobilhomes et brûlé plusieurs voitures. Un important dispositif de secours a été mis en place sur place, avec 70 pompiers et 29 engins de secours. 820 personnes ont été évacuées et placées dans un gymnase municipal. L'origine du feu reste à déterminer, mais l'enquête est en cours. Le lieutenant-colonel Éric Agrignier, des sapeurs-pompiers du Gard, a déclaré « On a une incertitude sur l'origine du départ. Est-ce sur un mobilhome ou un véhicule ? On ne le sait pas à ce stade. L'enquête le déterminera. » Le maire de la commune a ouvert une salle pour accueillir les personnes évacuées. Les forces de gendarmerie et les autorités municipales sont également sur les lieux. Nous vous tiendrons informés des développements de cette histoire. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo informative. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que l'information atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Actus du Web.